fois encore, nous comptons pour nous retrouver, pour nous... parce que nous avons le privilège de nous rencontrer. Il y a un gros poteau de garçon qui s'est frère nous, amis nous, mais qui aime bien l'humilité malgré toute connaissance que vous avez parlé, tout talent que vous avez parlé. Nous voulons parler de José Hermanté, qui est petite terre d'Haïti, petite Tikwa, petite de Pacos. Une autre fois encore, nous avons le privilège, ça fait la deuxième fois, nous retournons dans la cour de ce côté que vous exposez le travail. Vous dites nous, qui c'est la deuxième fois ça a été pour Hermanté. Logiquement, étant donné que nous-mêmes missionnons, faire message à passer ou bien aller un peu partout dans le monde, nous faisons nous sentir que nous ne sommes pas mourir. Et on dit haïtien, les bagages que nous avons comme potentiel, que nous capables de dire, nous sommes représentés n'importe côté. Et malgré nous connaissons Jean Bagaille dans le pays, non? Mais nous toujours été soudés avec parce que quand nous commençons à l'intérêt, et tout ça nous capables de faire pour nous aussi éclater, nous avons fait dans la dimension que nous capables de faire et dans les possibilités que nous gagnons. Quand on dit ça, on continue à monter. Est-ce que, comment choisir avec fait, puisque il y a un pile de possibilités, nous avons quitté le pays, avec un pile de talent, parce que c'est aussi, nous faisons dire un pile de pays. Faut-il parler de choix, ça, choix qu'on fait pour être dans le pays où malgré vents et marées, avant de continuer à parler de l'exposition, ça que nous avons dit. Je toujours dis, par exemple, quand on est plus à l'aise que le pays. Et je pense que tout, même si je dis pas un côté de capi à l'aise, à son bail d'arrivée, c'est moi qui me suis fait mettre la dedans. Parce qu'on a des possibilités de faire ce côté là. Or, si tu as quitté le pays, tu as quitté le service là. Et jusqu'à présent, je suis entré. C'est la première fois que je me fais pour moi aux États-Unis. Pendant 16 ans, je suis allé aux États-Unis. Donc ça veut dire que je me sens que je l'aime là, car je suis un peu de bagage. Même là, quand je suis appréciation, je veux dans ça que je produis. Et d'autres plus. L'air m'a respiré à tout, si bien boire mieux, c'est une confrontable à tout. Et ça fait des effets tout sur l'inspiration. Exactement, l'inspiration, moi je me sens que ça vient par enchantement, sans douleur. Tout comme par exemple, tu n'as pas qu'à exprimer chaque espace. Il n'y a rien, il n'y a pas capable d'énergie, il n'y a rien pour permettre ton produit. Mais dans toute logique, c'est que moi-même, moi je pour que tu restes tant que toi, pour que tu aies 10 ans, 20 ans, oh ben, pour tout le monde qui ça s'est passé de présentation pour tout le monde qui a regardé là. Mais je dis à une pose une question ça. Qui sa peinture représente pour vous? Qui sa peinture dans la vie? Tout le défini là comme si on j'ai l'homme des petit, comme chercher fond phrase avec le mot on dit là, c'est ma cité, c'est mon souffle à travers la nature, le silence et le cri de miracle. Toujours défini à la pour moi-même comme ça. Je me sens comme si ça bon Dieu bon comme devant son miracle. Il n'y a pas de rien capable pour m'évaluer, pour me dire comment je fais comme ça ou bien comment je ne fais pas comme ça. Mais l'essentiel, ça bon Dieu bon moyen, qui vous mis sur mon connaît, c'est partager avec tout le monde, tout le jeune capable pour permettre que nous quittons le bail. Son bagage est bon, félicitations parce que grandissant à petit quoi, c'est un bagage, son crédit que je barre, pas je me cache pour les sens, pour toujours prêt pour partager, mais ceci, à quelque chose, mon aise là fait, son aide pas quoi, j'aime vraiment tout ce que tout le monde, ses amours, je sais comment toute catégorie, ses amis. Hein. Donc est-ce que je dis à la nous dit, José Hermanté, vivre par la peinture? Oh, totalement et. C'est un ministère béni. Ouais. Et c'est comme si nous avions un ministère, même si tout le monde était surtout ministre, ou agronome, ou avocat. Nous sommes confortables dans sa vie. Et nous avons ça confortable là, qui veut être plus confortable, pour une ambassadeur pays. Sans que je n'ai pas besoin de faire un parfait parcours, je vais représenter le pays à ça que je gagne, et je vais valoriser le pays à ça que je gagne. Nous croyons que la contribution est beaucoup plus noble. Que si que nous sommes dans la politique, que si que moi t'as fait un autre job que peut-être qui m'a semblé, mais qui m'a bien autant d'énergie que nous dans la même vie. Et certainement un jour d'amour, quoi c'est que moi faut fait avec pinceau, palette, peinture. Tu vas bien faire notre extravagance et puis pour cette là. C'est pas mieux feeling là. C'est mieux feeling comme ça parce que la peinture logiquement c'est mon âme, c'est mon souffle, c'est tout l'univers que peinture a représenté et ma famille aussi on vit de là. Et c'est un bel bagage on vit de là. Pour moi ça c'est important. Vous pas gagner aucun qui est cassé, le profil fait tableau et que ça cause un désordre, ni qu'on va casser. Vous pas gagner rien comme si vous avez couché tête tout parce que mon ministère qui est noble et que vous accompli.
qui est capable de devoir envers famille ou envers petit tout, sans aucune inquiétude. Donc moi-même, je crois que je toujours travaillé, je toujours collaboré avec tout artiste. Je parle avec les qui dépassaient. C'est vrai, je suis arrivé 20 ans. Je ne vais pas entrer dans la logique, par contre, force à l'autre artiste, par contre, nous sommes capables de challenge, mais il n'y a pas comme ça. À 50 ans, 40 ans, on n'est pas qu'à Kembe, challenge quoi. Challenge, moi, je fais mon challenge 52, premier accent celui. Mais ce challenge, quoi, c'est ce travail. Ce n'est pas pour faire polémique avec personne, mais tout le monde entre là-dedans et puis on a fait cheminement nous. Et puis ça permet que yo béni toi, tu sois béni parce que dans le moment où je vais chez Zayo, un pile artiste tire profit de challenge 52. Ça, on correct, on clair sur lui. Et moi-même, je me sens que je suis content. L'or était par exemple, vous sentez abattu. Et puis vous venez en une idée qui est nouvelle et puis vous ne faites pas quoi quand même, qui c'est très bien. Et maintenant, au moment quand que face à la situation du pays, non. Presque tout le monde qui a évolué dans le domaine, nous avons pris un art ou quel que soit le domaine, hein, tout le monde s'est bien répliqué au fait. Et c'est dans situa- pendant que nous avons une situation, ça, où vini avec challenge 52, hein, côté idée ça a sorti, et je regarde le tableau, c'est vraiment extraordinaire. Et comment sentir un pack la fête sur l'autre artiste, pour comment challenge ça a évolué jusqu'à présent. Puis pour mal l'on fait tout l'autre artiste, c'est l'autre qui a innové. Le pas cabine avec des idées nouvelles, c'est une petite mal qu'on fait. Son jour soir, il était anniversaire. Et puis il me dit, ah, j'ai 52 ans, bon, il faut challenge 52. Il m'a dit challenge 52, est-ce que mon ne parle pas de moi? Et puis il monte sur Facebook, mais puis challenge 52, 52 artistes, 52 semaines, 52 tableaux. Et puis ça fait 2704 œuvres. Et puis nous lançons challenge 52 et puis moi et puis mon réagit non moment moi tout mon a réagi donc je dis malade tout à tout ça dis malade mais t'es non ça challenge pour commencer et puis me dit ok challenge a commencé avec et support que t'es capable d'aller plus ou moins 10 artistes mais m'a dit ça ça t'es plus de se voir me les ouvrir font bagaille ça fait faut pas jamais abandonner premier artiste moi les allumé les petits artistes mais problème pour me blanchir et monsieur Marie comme m'a fait fond bail pour par mon cash pour capable acheter blanc pour blanche et puis le moi il fait mon cash là pour lui et puis il donne $500 il dit moi et puis il dit $500 au artiste lol il rime mais par contre on est comme si c'est $500 en moi sur support pour bali pour aider cette pour avancer donc c'est une papa bail ça veut dire pour l'argent l'homme les des gens qu'on est comme si son groupe pour tirer. Ou bien c'est un gros ajouté dans mon projet, même le projet arrivé en phase de sécurité, donc ça t'est bien sûr quand même. Même t'as aimé que nous avons entré là, entre ma pantrie, pour que les artistes qui ont au matériel déjà pour commencer, surtout qu'on carence de matériel en bas et maison peinture par vendre et peinture de qualité pour artistes de travail. Moi-même, Mario, dessine au PCR, nous avons entendu pour nous voir supporter 10 artistes. Chaque monde a besoin de quatre couleurs primaires, il y a besoin pour le travail. On dit que les gens qui descendent avec eux, il y a trié sur le volet artistes qui ont nécessité de vous bailler 40 tubes bien sur ça pour permettre de travailler. Donc, ce n'est pas un don que vous faites dans le milieu international, là, mais c'est plutôt nous-mêmes qui prenons l'initiative. Okay. Toi, artiste, vous décidez en PCR, Mario Aristène, vous m'avez osé pour nous faire artiste, pour nous faire ça, pour nous être capable de travailler. Et nous ne pouvons pas attendre rien en haut, tout le monde, que ça produit. Pour que nous fassions, nous venions et tirions pour nous. Nous connaissons, nous sommes qui nous palmarès vraiment long, mais il faut que nous posions une question à aujourd'hui. Est-ce qu'on peut partager avec nous deux ou trois grands souvenirs dans l'expérience avec la peinture? Grand souvenir, moi, j'ai eu en 97, moi, ce petit bois, et c'était, on va être fragile, parce que là, ce petit bois en 97, on peut table pour aller à nos côtés, les côtés pour organiser, collecter mon club. Ok. On était troisième, on est à la concours-là. Mais, le moment où aller, pour me malader, aller, ma sortie, quoi, me sentir que je suis quelque chose. Moi, je vais être un antif, la ville qui est moins de presse. Parce que moi, je vais être un. Et puis, il y a des artistes qui participent, ils sont du troisième moyen. Et là, ça commence de bon moment, c'est tout fait pour descendre. Faire tout le monde manger, nous pouvons et que nous dégagions. Deuxième concours, c'est l'Académie nationale diplomatique et consulaire d'Haïti qui était fait avec Mito Feu, Mito Bonhomme, qui était doyen faculté. Et puis, l'exposition, ça m'était sorti lauréat, phase par l'école de la beauté, des premiers lauréats. Donc,
qui était intéressant parce que là ça et puis nous pour cette dimension nous avons un paquet d'échelons, nous passer dans concours réparation institution, nous gagner, nous passer dans concours, je dirais, et ministère de la culture avec FAO, s'unir pour produire et combattre la faim, nous parmi les lauréats. Donc c'était vraiment intéressant. Donc ça aurait été, comme tu es capable de dire, des bagailles qui marquaient les mois, nous. Et nous croyons que l'essentiel c'est produire. C'est un combat sans fin que nous rentrons dans mon artistique, dans l'univers artistique là. C'est un combo. Combat ça finit. Et d'autant plus, nous voulons signaler pour artistes surtout. Pour mettre orgueil de côté. Il n'y a pas de perfection en art. Il n'y a pas de perfection en art. Et pas moi artiste qui gagne la chance infuse dans le monde. C'est bousqué la bousqué. On travaille avec un peu de modestie et de modération, supporter l'autre monde qui n'a pas la distance. Et avec ça, on est capable de prendre extension correctement. Et pour faire chez nous, sans orgueil, parce que les petits fleurs n'ont pas de mettre sous ton nom, nous pas pour elles. Les gens qui vont arriver, ceux qui sont joie, vous permettez de nous dire ça mieux pour nous dire, vous permettez de nous exprimer. Peut-être nous dit tout le monde qui est sur les réseaux, merci, qui font live pour supporter nous. Parce que nous avons besoin de ça, nous avons besoin de paroles. Fait avancer. Nous avons besoin de sourire dans le monde, nous avons besoin de faire le sentir, nous sommes indispensables. Donc nous disons merci qui aide nous. Et logique là, nous continuons le combat. Ça ne va pas. Hermantin Rose, c'est un artiste à un moment donné. Et maintenant, est-ce que presque toute ville en Haïti n'a pas gagné une couche, un bagage, si Hermantin Parcel a dit ça, de travailler dans ça. Ça fait back en 2003. 2004, dis-nous comment l'expérience a été. Est-ce que tu es toujours actif? Je suis oui. Différent. Je participe dans Mété, toujours dans plusieurs places publiques qui réalisent en Haïti, dans plusieurs zones qui sont placées, des bagages qui sont vraiment importants pour le pays. Est-ce que l'expérience a toujours continué? Fais-moi pas ensemble avec nous, expliquez notre expérience 2003, 2004. Il y a 2003. Tout le temps, on doit en tourner. Bien sûr, bien sûr. Nous fait de. Au cap à Jérémy, nous fait travail dans tout espace là et présence nous marquer le même dans ça. Mais et puis belle bagaille qui vient Kembe après 2004 de parcours ça, on devient arrivé directeur culturel de la mairie du tabac et certainement nous faisons plus d'espace de travail. Par exemple, pour Florio, et nous avons des pièces que nous faisons, nous avons des places que nous faisons, par exemple, pour participer à la suite. Et peut-être c'est un moment où on dit, magistrat, merci, merci, mon merci. Il dépense à l'AM, il mette dans l'espace là pour permettre que nous ayons tant de talent, malgré que nous ne pas arriver à atteindre ça, nous dégager comme vision. Mais l'essentiel, c'est que quelqu'un qui était dans la mémoire, et même en face à la porte, pour nous marcher, nous avons commencé à faire des sculptures pour te permettre que. Nous baillons pour la route, on l'autre visage. Je fais commencer par finir. C'est commencer par finir. Oui, exactement. C'est pas fini. Donc nous-mêmes, nous croyons que nous, là, nous vivons. Tout est disponible. Et à n'importe quel moment, on a toujours la participation. Pour nous, de quelle façon, nous sommes capables d'embellir, nous sommes capables de pays. Et pour Tigouave, c'est ma souligne au bagaille qui est important que un projet comme bien, comme nous connaissons bien, plus de monde qui est le projet c'est le triangle des mémoires. Ça veut dire tout le monde, même quand tu es jeune, tout le monde, nous te font bagaille, dans un espace qui est marbre, nous gravons nous, de manière à ce que les générations qui viennent, ils sont capables de te passer là ou pas de passer inutilement, inaperçus, ou pour bagaille côté. Donc c'est dans ce sens, ça, mission, son mission, ça possède. Et à dimension par imperfection, on allait en travail chaque jour, on a pris dimension, chaque jour, c'est que mon après-mon, je vais commencer à blanchir, et côté chauve dans chauve. Donc, il y a un peu de bagarre, nous allons faire ça tout le temps. C'est bien ça, Hermantin. Hermantin, c'est à la fois, non seulement la travail, mais Hermantin, pas qu'il y ait ça, il y a un peu de Hermantin qui veut partager ça, et ceci, je dis à la, au privilège. Exposé ensemble avec vous, ancien élève. Pendant que nous parlons d'ancien élève, est-ce que vous pouvez nous dire tout le monde qui prépare? Faut-il parler comment vous sentiez-vous? Et si tu étais ancien élève qui était avec vous, comment vous avez évolué? Je ne mon estime toujours quitté. C'est l'artiste là qui peut dire que vous êtes gardé dans le même champ. Par exemple, je m'ai exposé avec des silos. Je trouvais que l'île est confortable pour nous présenter. Non, c'est l'île sortie. L'île sortie pour nous présenter. Nous travaillons ensemble à l'atelier pour nous
dit et me commander. Mais le Seigneur sait que nous avons grandi. Après 20 ans, Mario a 20 ans, nous travaillons ensemble. Et sinon, plus de 20 ans, nous travaillons ensemble. Ça veut dire que nous commençons. Depuis la porte qu'on a, d'un coup, j'ai dit un peu, là, depuis la petite 4-4 pour ma vieille jeune, nous commençons. Ça veut dire que de 1992, on a formé jeunes. Ça n'est pas qu'on a créé un qui est solide, mais nous avons formé jeunes. Je dis à ces résultats, ça. Les résultats, nous, quand c'est à Grand Magadan, en brillant, ce n'est pas le lit, tout nos gros noyaux, vous comprenez, nous parlons là, mais en brillant, c'est plus important. Et je dis à nos petits petits là, qui c'est petit diable, parce que bonjour. Mais puis j'ai fait un tableau jeudi, j'ai fait un tableau là. C'est intéressant, un petit monde. Et là, au chemin, et nous, quoi que l'avenir de ce pays, il va reposer dans nous encore, nous faisons ça pour nous faire. Mais si nous avons un endroit où nous base là pour nous capables de vivre, nous connaissons ça pour nous. Ok, maintenant je dis là, il y a un peu de monde qui fait peinture, même j'avoue, et qui va avoir des possibilités pour avoir des contacts, faire des histoires, même j'avoue, qui sont pour nous décourager. Il y a des gens qui veulent faire peinture, mais au pas ouais, à venir là-dedans, qui concerne deux catégories. Là, c'est comme le manger et le boire. Attendez bien, là c'est comme le manger et le boire. Mais alors là, demander un pied sacrifice. Sacrifice. On est capable de dire premier, c'est faire chasse, chercher toile là, chercher peinture. Mais sacrifice à Kounia, qui 99% de respi, de transpiration et 1% d'inspiration. Vous imaginez, 1%. D'inspiration, 99% de transpiration. Donc, l'on va faire ça, il y a un problème. Donc, c'est un bagage parfois obligé d'oublier. Ou qu'on a même pour la peine. Comme je dis, le plus souvent, les artistes sont des fous, on les considère comme des fous. Mais il n'y a pas de génie sans un brin de folie. Moi, toujours, ou qu'on a peine, et puis on était comme ça, et puis regardez, ou qu'on suit sous coteau, c'est là, de nous laver, mais soit. Donc, c'est ça. Inspiration, menons aller, ou allons aller. Oubliez qu'on a plus qu'à ma baille résultat ça. Pour continuer de travailler, ça tout faible. Parce que en dedans, on dépense une somme d'énergie extraordinaire. Et bientôt, on a une dimension côté que on est obligé à ressourcer parfois pour retourner son autre. Donc, des machins, il était purement artistique, il était purement spirituel. Là, est spirituel. Dieu est dans là aussi. Parfois, on dit attention, yo gaye ou ceci. Mais Dieu est dans là. Parce que Dieu avait recommandé à Salomon de choisir les meilleurs artistes pour construire le temple de l'Éternel. Donc, si nous voulons aller, nous parlons de dimension, 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 on a voir que nous-mêmes qui là, et les artistes, ce sont les 10 représentants de Dieu sur la terre. Mon jeune qui veut faire peinture. Jeune, c'est pas qui te regarde après nous. Nous, on fait 20 ans, 30 ans, on a travaillé sur une technique. Nous, on est monté sur une technique là, et puis nous comprenons comme si que nous vivons. Non, c'est pas ça. Ou une technique là, ou perfectionner, ou bien on va entrer dans l'école, on n'a pas entré dans la polémique, pour un tableau, on n'a pas copié et puis signer nos mounes en bas. Là, c'est un plus gros danger gagné. Pas gagné, on dit que nous avons progressé ou elle progressé, ou rejoindre ni pour avancer. Donc, nous croyons que toute discrimination, ça y est, les artistes ont subi. Donc, nous avons demandé que vous, jeunes cabinets, vous calmez, posez-nous, et puis, bagaille a fini par enchantement. Par enchantement. Merci à ma tête, c'est toujours un plaisir de nous croiser avec vous. Nous souhaitons tout ça qui est bon dans la vie et continuer à faire progrès, continuer à représenter le pays, continuer à représenter moi, quel que soit le côté passé. Et toujours tout ça, et chaque fois, il y a une chance pour nous croiser avec vous. Moi, fier de vous, comme petite terre d'Haïti, comme petite Vétiqua, fier de vous et continuer à faire ça qui est bon. Merci. C'est vrai, bon.